Après une première période assez partagée, les Sabres ont profité de deux avantages numériques pour prendre les devants 2-0 en une minute et demie en début de deuxième période. Montréal a tenté un timide de retour, mais le dernier engagement a été largement dominé par Buffalo et les visiteurs ont triomphé d'un club qui n'était pas prêt à se battre. Ou du moins, un club qui ne ressemblait à rien à celui qui est allé surprendre les Stars mardi soir à Dallas. Ça va arriver d'une saison, tu vas en jouer des games de même, puis c'est la réponse. Puis ça commence demain. Se préparer pour un match contre New York. On n'était pas là à soir. It was breakdowns by us on the PK, and we didn't really have our game tonight. It was close in the third, but we didn't play good enough to win. I thought we were flat. I don't think we were obviously at our best and gave ourselves a chance. So, I mean, there's plays that, we're giving them too much time and, give them quality looks. They got a lot of skill over there, and, that's something you can't do against a team like that. En matinée, les Canadiens ont annoncé que la saison de Christian Dvorak était terminée et il sera opéré pour réparer une déchirure au grand pectoral. Même s'il n'est pas un joueur flamboyant, c'est tout de même un autre joueur de centre que l'on ne reverra pas cette année. Monahan, il va falloir qu'il tue un petit peu plus de punition. Il faut quelqu'un qui prenne sa place sur le deuxième power play. Monahan va aller sur la glace plus pour les face-off à gauche quand ils sont importants. T'sais. Fait que c'est pas une personne, mais Devo, il fait plus. C'est un gars qui fait plus qu'une chose, mais c'est de remplacer ça collectivement. Avant la partie contre les Sabres, la Ligue nationale a dévoilé les noms des 32 joueurs qui représenteront leur équipe au match des Étoiles. Et pour le tricolore, Nick Suzuki a été choisi pour la troisième fois de sa carrière. Et en ce qui concerne la saison régulière, le capitaine et ses coéquipiers disputeront leur prochaine rencontre ici samedi face aux Rangers. Luc Gélina, RDS Info, Centre Bell.